Bonjour à vous et bienvenue dans cette philosophie du bar. Et aujourd'hui, je poursuis cette histoire de la philosophie pour les très très forts pressés. Lors de la séquence philosophique précédente, j'avais évoqué l'histoire de la philosophie de l'Antiquité et je m'étais arrêté à Plotin. Bien sûr, j'aurais pu vous parler de Thalès de Milet, de Pythagore, de Samos, qui font véritablement des mathématiques, leur religion en quelque sorte. Mais on ne peut pas tout dire en 4 minutes 28 secondes. Et je poursuis donc aujourd'hui avec la philosophie médiévale, avec la philosophie du Moyen-Âge. Avec saint Augustin, c'est bien sûr un penseur chrétien, c'est un penseur croyant. Saint Augustin plus 354 plus 430, et saint Augustin va véritablement opérer la synthèse du christianisme d'une part et du platonisme d'autre part. Saint Thomas d'Aquin. Attention, il ne faut pas le confondre avec le Saint Thomas des Évangiles, bien sûr. Ici, il s'agit de Saint Thomas de la ville italienne d'Aquino, Aquin. Et Saint Thomas d'Aquin, lui, va opérer la synthèse de l'aristotélisme et du christianisme. En effet, il a fallu quelques 9 siècles pour que Aristote arrive enfin en Occident. Alors qu'il est un contemporain, bien sûr, de Platon. Platon est connu dès le 4e siècle, mais il faudra attendre le 13e siècle alors pour qu'Aristote soit connu véritablement en Occident. Machiavel, 1469-1527. Machiavel est le prince, bien sûr, de Machiavel, avec cette phrase qu'on lui attribue, même s'il n'a pas écrite, même s'il n'a peut-être pas prononcé, la fin justifie les moyens. Non, bien sûr, ce proverbe est tout à fait faux. Si j'ai une fin pacifique, je ne peux pas utiliser des moyens guerriers, des moyens belliqueux pour arriver à cette fin pacifique. Descartes, on le connaît aussi, bien sûr, René Descartes, 1596-1650, nous sommes donc en plein 17e siècle, et René Descartes va douter véritablement de tout. Il va douter de l'autorité, il va douter de la tradition, il va douter des sens, de ses propres sens et des sens des hommes. Et il y a une seule chose qui peut demeurer quand on a douté de tout, c'est précisément le doute. Le doute est indubitable, je ne puis pas douter de mon doute. Et donc Descartes dira en latin « dubito ergo sum », je doute donc je suis, et comme le doute est une pensée, cela deviendra bien sûr notre fameux cogito ergo sum ou cogito ergo sum si vous le souhaitez, à savoir je pense donc je suis. Blaise Pascal, nous avons étudié et analysé toute une série de propositions de Blaise Pascal, dont celle-ci, Blaise Pascal 1623-1662. L'homme est un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Il ne faut pas que l'univers s'arme pour l'écraser. Une vapeur, une goutte d'eau, un virus, dirait-on à l'heure actuelle, suffit pour le tuer. Mais quand bien même l'univers l'écraserait, l'homme est beaucoup plus noble que ceux qui le tuent, parce qu'il sait qu'il meurt. Et l'avantage que l'univers a sur lui, l'univers n'en sait rien. Blaise Pascal et ses célèbres pensées. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point.